Sans défaire.
délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, chers amis, téléspectateurs, auditeurs, après-midi encore, nous sentons-nous contents, nous sentons-nous une joie qui a débordé dans le cœur, nous, parce que nous avons la possibilité, ça, nous avons la chance, ça, après-midi, pour nous capables de trouver nous au pied de la croix. Dans l'optique pour nous continuer, mande bon Dieu pour nous capables de rester dans le plan li. Et pour nous capables, chaque jour, de nous qui a trempé dans le Seigneur, lui-même qui se source la vie. Depuis dimanche, nous sommes là, nous avons déroulé la semaine de prière sous thème ça. Qui c'est monde qui était dans plan bon Dieu pas jamais échoué et surtout dans partie confession et Saint-Esprit a que des sous-thèmes nous tap essayer ou avoir essayer développer ensemble avec vous dimanche nous t'ai gain possibilité pour nous te dit bon Dieu pour le garder état nous ça veut dire garder état nous dans niveau que nous péchons chaque jour. Nous disons, bon Dieu, nous prenons conscience que nous péchons contre nous-mêmes pour être capable de prendre nos gens nous hier. Et bon Dieu, le fait que c'est un bon Dieu qui est plein d'amour,
li te aksepte pardonne peche nou yo et pran nou jan nou ye. Lundi n te wè man vi leve. An pil fwa le nou ap bouyi nan peche a. Nou konnen nou la dan. Men nou bezwen yon support. Nou bezwen jis yon apui pou nou kakembe pou nou kapab leve. Et nous avons accepté que nous partions trop bon aux yeux de bon Dieu. Nous avons envie de retirer corps nous dans la question péché ça. Et mardi, nous avons pris une décision, nous ferme détermination nous pour nous capables de lever. Et mardi, nous avons levé. Et ça qui est belle là, nous avons levé, nous pas camper et nous avons pris une décision nous pour nous aller. Al côté papa nous et c'est ça mercredi après que nous t'ai fini lever dans mardi nous t'ai prend chemin nous t'aller al côté papa nou. Et hier jeudi nous t'ai wè le fait que ou prend décision ou lever al côté papa ou joindre li d'ailleurs mon Dieu pas jamais introuvable pour petite li toujours prêt disponible pour nous-mêmes pour capable d'aider nous. Et le fait que hier ou t'es gen bon Dieu face à face avec ou t'as parlé ensemble avec ou t'es dit qui ça ou t'es dit bon Dieu hier et ou t'es demandé bon Dieu pour le pardonner péché ou yo pour voyer Saint-Esprit dans la vie. Jeudi vendredi avant dernière soirée nous gen pour nous ouais ensemble un péché contre ciel là. Tout ça c'est conscience nous cap reprocher. Nous accepter nos péchés et après-midi le fait que nous péchons contre ciel là nous pas le ciel là vivre devant nous pendant que nous préparé nous pour nous saluer le saint sabbat de l'éternel invitez nous pour nous capables faire le vide dans nous-mêmes pour bon Dieu capable pardonner péché nous parce que nous péchons contre ciel là nous péchons contre parole bon Dieu nous péchons contre bon Dieu. Et puisque c'est lui-même nous a cherché, le numéro 285, c'est toi Jésus que recherche mon âme. À te trouver ce bon humain sauveur. Après une semaine nous passé n'a travail nous fatigué et faut corps à reposer c'est pour ça bon Dieu t'a envoyé Jésus venir mourir pour nous sur la croix pardon péché nous yo c'est toi Jésus c'est toi Jésus que recherche mon âme à te trouver ce bon humain souhait c'est ton regard que sur moi clame, rends-moi Seigneur, rends-moi ta douce paix. J'attigerai dans les sentiers monde ne connaissant ni ton nom ni ta loi.
t'attendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit a charité, prends donc pitié, prends donc pitié de ma grande misère. Sauve-moi mon cœur, brise ça. Mon âme te fut chère, je compte au Dieu sur ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta compassion est grande, ta compassion est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta compassion. La compassion de Dieu est grande. La compassion de Dieu est sans pareil. Pas de personne monde qui a tant coup bon Dieu n'a pas servi. Je veux faire comprendre ça ou mettre en marché dit ça. Pas de personne qui tant coup bon Dieu a servi. Parce que bonté envers nous, compassion envers nous. C'est bagaille que nous-mêmes nous pas jamais espérer. Bon Dieu noir, c'est un Dieu qui est plein d'amour, riche en bonté. Psaume 32 dit nos paroles. Psaume 32, nous allons lire ensemble. On a commencé avec verset 1er. Nous allons voir qui ça Psaume 32 dit nous. Nous-mêmes qui gagnons conscience que nous péché, nous prenons conscience que nous péchons. Nous allons regarder. Lorsque nous prenons conscience de péché, nous yo, comment bon Dieu les considère nous. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Lorsque vous prenez conscience de l'état, lorsque vous acceptez que ça, dans ça où il n'y a pas fait bon Dieu plaisir, dans ça où il y a, il a fait
ou bail bon Dieu dos parce que jamais même pour une seconde bon Dieu pas jamais gain dans l'esprit pour le ban nous dos nous même suivant ça n'a fait nous ca choisi bail bon Dieu dos consciemment ou inconsciemment nous ca bail bon Dieu dos mais bon Dieu pas jamais ban nous dos. Mais qui ça le dit encore lorsque nous acceptons que nous pas nous péchons et nous acceptons de prendre pardon à mes bon Dieu. Qui ça le dit dans verset 2 à. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tandis lorsque vous reconnaissez que vous péchez ou d'accord que vous péchez. Pas gain en rien en ou qui capable empêcher bénédiction ou du moins bon Dieu laver ou purifier ou transformer ou pas gagner en rien qui ca empêcher bon Dieu lorsque ou reconnaître que ou fait ça qui pas bon hein? Qui ca empêcher ou joindre elle commencer à Moussa heureux c'est-à-dire non tout ça n'a fait yo nous ca heureux. En l'Éternel, il suffit que nous prenions conscience de l'état péché nous. Nous sûrs et certains, à chaque fois que vous faites péché, ce n'est pas de compte qui sort d'où il fait, ou mettre vin contre bon Dieu, et la recevoir malgré l'état péché. L'important dans la minute ça pour nous capables. Chaque après-midi, nous toujours disons ça. Et m'a persisté sur lui à chaque fois que. Nous avons une possibilité pour nous gagner cours ça pour nous parler ensemble avec nous. De pour faire une étude dedans. Ou faire une introspection. Et puis, vous voulez retourner comme le fils prodigue. Et prendre une décision retourner. Gan pil moun ki kon di ba yo al fon eksperyans de yo a. E malheureusement, yo kon pase de la vi a la mor nan eksperyans yal fe de yo a. Men ou menm sou gen chans sa, malgré kont ou menm ou te kite la mezon de ton pèr. Et vous estimez que quand vous allez là, pas de rien qui sérieux la donne, que retourner à la maison de ton père, c'est là qui a bien la joie, le bonheur pour tout le temps. En nous demandant, bon Dieu, pour le capable de recevoir nos gens, nous y est. Nous prenons décision pour nous lever. Et nous camper, nous prendre décision pour nous avancer à l'côte de papa, nous rencontrer l'hier, nous parler ensemble avec elle. Et je dis, nous accepter, nous pécher contre ciel là. Et on nous demande bon Dieu pour le capable, laver nous, purifier. Nous sommes certains, à chaque fois que nous péchons, pas oublier, nous gagnons un avocat auprès du Père qui a plaidé pour nous, sans goutte. Et tout article l'a bralé pour le capable de défendre nous. Devant le juge là, qui c'est le Dieu des armées. Verdict là. Ap ale nan avantage ou. Parce que ou gen Jésus comme avocat kap plede pou ou déjà gen procès nan nom Jésus. Amen. Maintenant le fait que tout temps ou ap péché ou ap jwenn pardon, tout temps ou ap péché ou ap jwenn pardon, mais il va karite kon sa tout temps. Pas ka tout temps lorsque ou péché, tout temps bon Dieu mon konnen péché. T'en prie pardonner péché, t'en prie pardonner péché, mais faut qu'on
poser tête aux questions. Est-ce que pas bon moyen pour éviter péché ça? Qui ça ca aide ou éviter péché ça? Ou faire appel à l'Esprit Saint. Là, m'a invité ou à le faire appel avec l'Esprit Saint. Pour l'Esprit Saint capable de prendre, imprégner ou est l'offre fin laver ou frotter un rad. Ok? Rad la salle. Pour moun ki kon lave yo, an nou essaye fè petite illustration sa pou nou ka konprann. Rad la sal an pil. Pou moun ki an Haiti, moun ki kon lave nan rivière, nan ravine, pou moun ki la kayo nan cuvette kap lave. Ou pran rad la, ou mete l trempé dépendamment de saleté ki gen nan rad la. Apre sa ou frote rad la. OK. Le fini ou al bay rad la premier savon dépendamment de couleur rad la ou bien c'est liquide ou bien c'est fab quel que soit ça ou utiliser pour laver ya. Et puis ou fin frotter rad la et puis l'on frotter rad la l'on garder rad la ou rad la propre et puis ou rincer rad la et puis l'on fin rincer rad la l'eau couler dans rad là dépendamment de gens ouvlil gen moun ki tord de radio pour retirer de l'eau gen moun se secouer après le ou fin retirer dans de l'eau yo secouer de l'eau tomber et puis pour rad là capable pas gen pli de l'eau la donne yo secouer et bien ou accepter que ou sal ou vin devant bon dieu prend ou li meto dans cuvette là le meto trempé. Pendant le métro trempé, il y a des crasses qui sont enlevées. Il y a des péchés immédiatement qui apparaissent. Il y a des péchés pour Dieu qui sont dit ah, ça, je me retire au métro là. Après ça, bon Dieu prend, il frotte. L'œil fini, il tord. Et puis il met au temps. Ou vin sèche. Et puis, rad sak te sal la. Que qui t'est perdu couleur qui pas un rad qui rabi bien lavé by bon petit Clorox et puis mettez rad là dedans et gen moun qui servi avec indigo by un petit indigo pour kembe couleur blanc pour aider blanc bien sonné le soleil la bat sur rad là et vous rad là belle ou dit waouh gade rad sa te sal moun ka passe kap gade rad la kap di rad la oh gade comment on rad moun kon lave gade comment moun nan lave bien rad la propre mais moun nan pa trouvé rad la auparavant c'est comme ça oui auparavant avant on te vinn côté bon dieu parce que ou pou comprendre conscience que ou péché ou te sal dans yeux tout moun pa ka comprendre nous le fait que ou accepté ou vini bon dieu prend li met au tremper le frotter ou li laver ou li rincer ou li torder ou li met au tan ou sèche ou vinn propre li important pour pas tourner dans saleté ça sa encore li important pour pas sale encore qui ça ka edo tache ça yo li important pour pas gagner yo encore on fait appel avec le Saint-Esprit et li important pour capable quitter Saint-Esprit en train dedans pour l'imprégner. Et lorsque Saint-Esprit a imprégné, gen bagay ou ap comprendre. Ou pa chanm tourner sale encore, ou pa chanm tourner nan péché ça encore. An nou mande Saint-Esprit pour capable prendre place. Saint-Esprit que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité, que tout péché sa yo. La lumière du Saint-Esprit capable venir nan cœur nous, nan nanm nous, nan kòr nous. Et puis retirer tout ça qui pas bon et pour le faire refléter la lumière du Saint-Esprit dans la vie. Et comme ça m'a garanti ou pas sale dans niveau ça encore. Peut-être qu'il y a une autre tache qui tombe oui. Mais grosse tache ça, grosse péché ça yo, ou pas tourner dans encore parce que la présence du Saint-Esprit est là. Alléluia. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nous.
nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Saint-Esprit, ô vérité, guide infaillible divin. Viens calmer tous nos effrois, apaise à ta douce voix la révolte et la douleur. Saint-Esprit libérateur, dans la puissance à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Saint-Esprit, ô toi qui sèmes, combien chancelle nos pas, ne nous abandonne pas. Conduis-nous dans la paix. Et nous demandons Saint-Esprit pour le capable de prendre place dans la vie nous et pour le capable de conduire nous dans la paix. Nous sommes sûrs et certains, Saint-Esprit n'a pas jamais abandonné. Même gens, vous prenez conscience que vous venez à ka péché ou yo. Et bien, mon Dieu, acceptez tout lui-même. Pour le pardonner, et non seulement ça, il dit, mon fils, ma fille, c'est pas seulement le pardon que m'a offert après-midi. Après-midi, je veux t'offrir non seulement le pardon, mais aussi la présence du Saint-Esprit. Et bon Dieu, v'lez baou Saint-Esprit. Et Saint-Esprit a dû demeurer la caillou. Pas jamais fait erreur ça pour quitter Saint-Esprit, quitter ou pour chasser Saint-Esprit à propre ou même. Pour le venir joindre nous pour chasser. Non. Chaque jour, mande bon Dieu pour le capable. Inviter Saint-Esprit à arrêter la caillou. Ou même tout, faire place pour le capable. Toujours être la caillou. Parce que bon Dieu remet nous, c'est ça que fait. L'été voyer Jésus, vient mourir pour nous sur la croix. Monsieur est certain. Reste programmation. Ou abjoindre un bagage quelconque. Nous pouvons finir, non? Demain après-midi, ou abjoindre nous encore. Pour nous capables de continuer à faire appel au pardon. Continuer à faire appel au Saint-Esprit. De manière à ce que nous capables de marcher en vainqueur pour vaincre. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien-aimés, sœurs et frères, amis de la prière, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour agréable journée ça que l'été permette nous passer en bien, que nous le capable béni d'éternité en éternité. Après nous fin mandé bon Dieu pour voyer Saint-Esprit dans la vie nous rivé dans moment qu'on y a pour nous mander, pour nous parler ensemble avec elle, pour nous porter problème nous yo, pour nous porter demande nous yo, requête nous yo bali. Nous pour aller chanter ensemble Dieu tout-puissant. Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Le numéro 360. J'aimerais me dire, si vous avez fait un bagage, faut-il quitter pour quelques minutes pour parler ensemble avec le Seigneur. En nous mettant toute confiance nous dans lui-même. Parce que c'est un bon Dieu qui compte bénir. Qui qu'on agit, qui qu'on parle. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance.
les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. À quel ami, à quel ami pourrais sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? À quel ami, à quel ami pourrais sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. À quel ami pourrais-je sur cette terre? À quel ami pourrais-je sur cette terre? Il y a des calamités ou à traverser. Pas de monde sur la tête qui va bédou. Dans ma douleur amère. Où donc aller? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent. À quel ami pourrais-je sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Le malheureux qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travaillez et chargez. Vous reviendrez guéri ou soulagé. Allez à lui. Allez à lui, travaillez et chargez. Vous reviendrez. Vous reviendrez guéri ou soulagé. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, alléluia, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Si je n'avais cette foi consolante, si je n'avais
cette foi consolante, je trouverai chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Évoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui porte. C'est Dieu qui parle, oh, crois en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, oh, crois en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Mon Dieu dit nous invoquer dans moment détresse nous. Mon Dieu dit nous reler le nous sentir nos paroles monter nos paroles descendre. Si tout est sombre, ne perds pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix. Agis froid, crois seulement. À nous continuer à chanter. Si tout est sombre, si tout est sombre, oh, ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. En paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, saisis délivrance, sois à toi. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. De son enfant. Saisis-la donc et sois avec eux. Saisis-la donc et sois avec eux. Elle est à toi. Elle est à toi. La puissance divine. Saisis-la donc et sois avec eux. Que son enfant
détresse ne manque pas de le bénir. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu de la tempête, la calamité, demeure en paix, crois seulement. Demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, maladie, demeure en paix et crois seulement. Crois seulement. Même au milieu les fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Amen. Demeure en paix, crois seulement. Parce que monde qui était dans plein bon Dieu, pas jamais échoué. Demeure en paix, crois seulement. N'importe ça que t'as arrivé à, agis fort. Fais bon Dieu confiance. Parce que monde qui était dans plein bon Dieu, pas jamais échoué. Fais silence. Parce que bon Dieu pral combattre pour. Bon Dieu pral parler pour. En nous lit ensemble le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. On nous dit ça ensemble, frères et sœurs. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les maladies. Je domine sur les tourments. Je domine sur l'angoisse. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. Amen. Bon Dieu nous, qui qu'on fait avec ouais. Li qu'on touche et puis malade guéri. Pour qui sont pas qu'à agir froid ou pour bon Dieu là, dit un mot. Bon Dieu ça qui te fend la mer rouge là en dehors. Côté sale pas qu'à faire pour toi. Pour qui sont pas agir froid ou. Agir froid ou. Pour bon Dieu traiter ou. Jean que li vle. Agir froid. On nous fait silence. Font silence devant mon Dieu. Pour le passer visiter.
prière. Ma prière tranquille, qu'on est en charge. 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 Ou à passer traiter mes gens qui ouvrent. Ma prière tranquille, qu'on est en charge. Moi, je veux être tranquille, parce que qu'on est en charge. N'est pas le jour s'attarder. Ma prière tranquille, qu'on est en charge. Ma prière tranquille, qu'on est en charge. Ou à passer avec un l'air, ma prière tranquille, qu'on est en charge. Ma prière tranquille, qu'on est en charge. Est en silence la combat pour être sous genou, la combat pour faire qu'elle pose, la combat pour être en silence, la combat pour être sous genou, l'âme combat pour faire qu'elle pose, l'âme combat pour ma prière tranquille, qu'on est en charge. Ma prière tranquille, qu'on est en charge. Rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu puissant, tout puissant. Pas capable de passer.
bail bon Dieu. Jésus, retenu pour moi. Déchargez-vous, dis mon Dieu, mes dossiers mieux, mes dossiers mieux, je ne peux pas passer, je ne peux pas monter, je ne peux pas descendre. Dis mon Dieu, ou bloqué. Où c'est répondre-moi, tant de cris mieux, tant de cris mieux, où c'est relève. Devant toi nous avec dossier nous pas capoter encore chaillot trois loups sous donne nous pas capable encore nous pas capable encore Seigneur mais yo oui Seigneur mais yo parce que on dit les nous relais ou attendez quand un malheureux crie l'Éternel entend Seigneur. Mais n'a brûlé, mais n'a souffri, mais n'a souffri avec une maladie, avec une tête chargée, avec un dossier. Nous pas capoter encore. Les hommes pas dire un mot. Seigneur, dis un mot. Dis un mot pour nous, papa. Mais péché nous yo. Mais péché nous yo, Seigneur. Nous pas capables encore. Nous pas capables. Papa, dis un mot pour nous. Traitez-vous pour nous, Seigneur. Lavez, purifiez, nettoyez. Jésus. Mais petit tout yo. Et après l'eau, viens délivrer. Seigneur, mes frères nous, mes soeurs nous, qui sont-ils pas capables encore? Dis un mot pour vous, Seigneur. Dis un mot. Nous ne pas dire plus. Vous connaissez tout. Vous connaissez tout. Vous connaissez tout bagaille. Traitez-nous, gens vous voulez, dans la façon que vous voulez. Façonnez-nous dans la façon que vous voulez. Dis un mot. Dis un mot, papa. Nous sentons nous pas capables encore.
nous n'avons pas capable encore. Nous frappons tous les côtés, nous n'avons pas l'ouvrir pour nous. Mais à souhait, à Seigneur, nous venons frapper. Nous venons frapper. Nous venons frapper pour ouvrir pour nous. Nous venons relou pour tant de cris nous. Dis-moi. Nous ne pas multiplier parole devant le Seigneur. Mais on compte tout bagaille. On agit pour nous. On fait au-delà de l'espérance nous. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Lui qui vit et qui demeure. Au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu capable bénir nos frères et sœurs. À demain, si Dieu veut. Nous faisons suite ensemble avec cette programmation. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis nous qui ensemble avec nous sur plateforme MUDH, encore une fois, quel privilège nous gagnons pour nous capables ensemble avec vous en cet instant, dans le cadre d'une semaine de prière, ça, qui gagnons pour thème, moun qui était dans plan bon Dieu pas jamais échoué. Et moi crois que pendant toute semaine ça, depuis dimanche passé pour arriver jeudi à dans vendredi ça, qui c'est côté que nous pral saluer un nouveau sabbat dans vie nous, qui c'est synonyme une nouvelle victoire que chaque grain moun qui connecté ensemble avec nous là, que ce soit ou sur YouTube principal là, ou sur Facebook, Twitter, Roku TV, Radio MUDH, Podbean, Chanel Kellyson, Chanel Frère Brutus, Chanel Radio et Chanel l'Église Adventiste au Rep d'Haïti. Et ben nous content pour nous saluer nouveau sabbat ça, qui c'est synonyme une nouvelle victoire que on a remporté. Et en dans une semaine de prière côté que y a cléonné dans oreilles, et chaque moment ça yo que moun ki rete nan plan bon Dieu pa jam échoué, sou d'accord avec ça. Et si ou remè semaine de prière ça, ou ap écrit di oui Seigneur, moi d'accord que pour me rete nan plan, oui Seigneur, moi d'accord pour me rete nan plan, pendant que ou ap écrit oui Seigneur, moi d'accord pour me rete nan plan, est-ce qu'on voulait évangéliser? Est-ce qu'on voulait et à ce que on l'autre monde comprenne ça? Est-ce qu'on voulait yon l'autre monde d'accord, même gens avec ou yon frère ou yon sœur, yon ami qu'on fait rencontrer? Est-ce qu'on voulait rentrer dans plan bon Dieu? Est-ce qu'on voulait yon apprendre ni ça? Faut le tendre dans oreille. Peut-être ou ka dire ça, hein, ou ka dire ça, li pa tande mes bal chance. Pour le capable connecter même gens avec ou pour le capable attendre ça, pour le d'accord avec ça, partager li avec lui, pour le connaître, pour l'apprendre rete dans plan bon Dieu. Et s'il rete dans plan bon Dieu, eh ben li pa ka échoué. Ou ka gon moun ki wap étudier ensemble avec lui, ou ka gon moun ki wap faire étude ensemble avec lui, li difficile, mais partager là avec lui à force que l'attendé ou l'attendé plateforme ça, l'étude qu'a fait, leçon qu'a fait yo, moi garanti travail là qu'a plus facile pour amis. Nous pral avant même que nous entrer dans et louange et témoignage, nous pral saluer le Saint Sabbat. Nous pral saluer le Saint Sabbat. Et ben sous thème que nous gagnons aujourd'hui, c'est merci pour manger à, merci pour manger à. Est-ce qu'on rappelle ou? Eh ben, lorsque peuple Israël t'est trouvé yo dans désert, eh ben yo t'a marché dans désert, eh ben Seigneur a t'a fait plan pour yo depuis dans vendredi pour te ba yo manger, pour manger, pour te ba yo la manne. Yo pas de condition pour dans sabbat pour y aller chercher manger, pour yo manger. Eh ben depuis dans vendredi, yo t'est allé chercher manger, pour yo manger. Et me content pour me dire dans vendredi ça, Seigneur a planifié place spirituelle pour la pour béni soit l'Éternel. Peut-être yo t'al chercher la manne, ça qui te ka nourri koyo physiquement, mais en cet instant Seigneur a pral nourri ou
avec yon place spirituelle, manger spirituel là. Et mais faut que nous dit Seigneur, merci pour manger ça. Zanmim, pendant semaine ça, eh ben nous t'es connecté, c'est vrai avec Seigneur ya. Maintenant nous pour saluer un nouveau sabbat dans vie nous. Mais avant même que nous saluer nouveau sabbat ça, qui c'est synonyme yon nouvelle victoire, on a dit Seigneur pour le faire nous grâce dans numéro 268. Jésus par ton sang précieux. Moi t'es quoi pendant semaine ça où t'es transgressé la loi de Dieu pendant semaine ça et iniquité t'es multiplié sans doute même gens avaient multiplié. Mais avant même que nous entrions dans le Saint Sabbat de l'Éternel pour nous faire louange, on nous chanter ensemble avec le numéro 268. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. On nous chanter musique ça ensemble avec moi avant même que nous allons saluer le Saint Sabbat de l'Éternel. La chatel n'ayon esprit de prière ça fait comme sous table dans mon essai on t'a supplié on t'a lamenté dans ville hein parce que c'est lui qui a pardonné l'autre monde pas capable nous petit c'est seul Jésus qui a pardonné sans Jésus il est efficace pour péché qui dans la vie là Jésus porte ton sang précieux porte ton sang précieux pardonner. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant. Oh, le fardeau de mon péché. Dieu dressé est trop grand pour moi. Dieu dressé est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. Je veux en être délivré. À cette heure, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant.
croix maintenant. Je me relève triomphant. Je me relève triomphant. Plus blanc que neige. Seigneur, pour nettoyer nous, pour purifier nous. Maintenant, nous continuons à préparer nous pour l'ouverture du Saint-Sabbat de l'Éternel et la louange et témoignage. Nous allons pour témoigner. Nous allons faire prière pendant que nous allons dire Saint-Esprit que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chasse toute obscurité. Voilà. Chaque jour, on va chanter musique ça. Chaque minute, chaque seconde, on va chanter musique ça. Mais Kounia, moi invite vous pour chanter lui dans un esprit de prière. Moi invite vous pour dire parole ça. Ouais, pendant qu'on dit parole ça, yo, levez-moi en l'air petite koto chita, levez-moi en l'air koto couchea pour faire prier ça dans moment ça. Cet esprit que t'as clarté. Que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs. Amen. Chasse toute obscurité. Faillible. Ouais, musique ça. Son musique où t'as chanter chaque seconde, chaque minute, chaque instant. Oh, montre-nous le droit chemin. Courbe notre volonté. Saint-Esprit, consolateur. C'est pour tout, à jamais délivre-nous des liens de nos prisons. Saint-Esprit, oh, toi qui sais. Est-ce qu'on a dit ça? Saint-Esprit, oh toi qui sais. On a dit Saint-Esprit, oh toi qui sais. Saint-Esprit, oh toi qui sais. Combien chancelent. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne. Saint-Esprit, oh toi, combien chancelle le nom. Ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas.
regardez, Seigneur, pardon, dans numéro 268, maintenant, on saute fond l'autre prière. Et Zambim chanter, c'est prier, des fois, préparer, ou nous t'a préparé, nous, à l'ouverture du Saint-Sabbat de l'Éternel. Maintenant, nous pourrons chanter ensemble avec moi l'Astralhorizon, descend numéro 175. L'Astralhorizon descend sur les monts, l'ombre s'étend. Veillons pendant que la nuit au ciel allume sans bruit ses lampes d'or. Samiba. Et ces musiques, ça oui, nous pourrons, avec lui, nous pourrons commencer l'ouverture du Saint-Sabbat de l'Éternel. L'Astralhorizon descend sur les monts, l'ombre descend. Le psaume 92,
c'est lui-même nous pourrons lire. Hélène Vinli, psaume 92, nous pourrons chanter dans le numéro 173. Après le psaume 92, nous avons chanté 173. Après ça, pour nous lire le décalogue, pour nous capables prier, pour nous entrer dans la louange. Et là, nous avons terminé louange, nous avons prié pour nous capables. Nous avons mélangé louange en dans ouverture sabbat. Ça veut dire nous avons clôturé louange avec prière ouverture sabbat. Eh bien, et nous sommes certains, profitez de moment ça. Dans ce moment sabbat au Seigneur, qu'on baille libération, qu'on guérisse en mime, eh bien, fait qu'on content. Fait qu'on content dans un moment spécial, dans une semaine de prière spéciale. Yon ouverti sabbat spécial pour yon guérison spéciale, yon libération spéciale. Le psaume 92, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de l'arabe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des filles dans la vieillesse, ils sont pleins de sèves et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Et nous disons amen, chers frères et sœurs. Notre labeur est accompli, le Saint Sabbat va commencer. Profite de ce jour béni, mon âme, pour te reposer. Says
pour lire Exode 20, versets 8 à 11. Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. C'est texte ça nous pour lire pour nous capables tout de suite entrer dans la louange et ouvrir le Saint Sabbat de l'Éternel. Et après ça, n'a pas témoigné. Comprenez bien, nous la fin ouvrir la fin lit texte ça et puis n'a entré dans la louange et n'a fait prière ouverture du Saint Sabbat de l'Éternel. Et ensuite n'a bon moment n'a bon on trois moun pour capable témoigner. On allait souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne doubleras point et tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, on a campé là, on t'a dit 8 à 11, on a 8 à 14, même 8 à 15. Bien, c'est comme ça, on a planifié, mais s'il passe comme ça, on nous prend comme ça. Maintenant, amis, nous ne pas perdre du temps. Nous ne pas perdre du temps, nous ne pas gagner de temps. Jean nous dit là, nous pourrons démarrer dans le numéro 46. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité. Pour tes enfants, des choses,
Toujours, toi qui m'aimes toujours, la bonté,
Papa nous qui dans le ciel. Merci pour semaine ça ou permettre que nous passer en bien sous ta divine protection. Nous tenons pied au depuis dimanche. N'a bon louange, une louange qui au même seul mérité. Nous arrivons jeudi, vendredi ça, côté que nous a salué ton Saint Sabbat. Nous d'accord que pendant semaine là nous t'es allé côté nous pas doué aller. Nous t'es dit ça nous pas doué dit qui vienne fait nous dit nous pas qu'à entrer dans sabbat comme ça sans nous pas mando souple pour capable laver nous purifier nous sanctifier nous et permettre à ce que nous capable saluer ton Saint Sabbat avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, et comme ça, nous va sortir victorieux à la fin de 16 heures saintes. Nous comptons sur vous, restez avec nous, alors que petit, nous allons témoigner grandeur. Nous demandons s'il vous plaît, que vous êtes capable de prendre contrôle de la situation pour nous. Béni reste programme pour nous déjà. Et nous demandons que puissance soit capable de couvrir nous. Dans nos petits tours, Jésus, nous prions avec pardon péché nous. Amen. Gardez chaque monde qui côté au côté l'IA et balayez un poignet de main ou bien faites un bisou pour lui, dis-lui bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat, frère Bertrand, parce que c'est vous-même qui piprem là dans le studio. Bon sabbat, frère Bertrand. Bon sabbat, tout le monde qui là. Bon sabbat, ingénieur Sanon. Bon sabbat, ingénieur Daniel. Bon sabbat, Jennifer, Chiska. Bon sabbat et maestro Delandi, bon sabbat et Sœur Insel, bon sabbat à chaque monde qui ensemble avec nous là, pasteur qui a prêché, bon sabbat frère Inès, je suis content qu'on là, bon sabbat tout le monde, bon sabbat. Et maintenant nous allons prendre trois mouns, maintenant trois mouns, vous avez oublié de dire ça, monsieur Youn dans mouns. Ça veut dire c'est deux moun n'a pas prendre frère Bertrand dans trois moun yo c'est une moun yo parce que pendant m'a bail louange ça m'a dit où le mal abonda la grâce est sur abondance amis songer Jacques Mel le m'a sauté Jacques Mel tout dernièrement dernière mission que nous sont fait là n'était-ce pas la présence de Dieu mais pas ta là jodia où le mal abonda la grâce surabonda ton amour ô Dieu que mon amour répond toi qui m'aime toujours Seigneur toujours aimé nous et zanmi moi même qui fait accident qui t'ai fait accident ça comme où t'es au courant moi pas là pour me vivre encore. Moi pas là pour me vivre encore. Satan te fait plan pour éliminer moi parce que moi t'ai gagné collaborateur plus proche moi qui t'ai avec parce que nous chaque nous t'ai sur une moto. Généralement nous connaissons un seul moto. Mais pour une raison ou pour une autre et fois ça ben li te fait plan pour quitter moto palia ben drôle de coïncidence ben pour le combat qui va le passer machine aller pour lui même li penser yo aller quitter ben li décider prend moto pal pour poursuivre nous alors que moi même tourner pour me venir chercher et l'aime river dans studio yo dim li aller qui vienne faire nous obliger avec deux motos. Et nous t'es toujours à marcher ensemble. Monsieur a constaté, j'ai fait accident, j'ai pral tombé à ces cadavres là, li pral ramasser dans trou parce que lui mal tombé dans trou, li pas qu'on en profondeur trou ça pour lui-même t'es mouri. Mais Seigneur a te dit non, frère Jotam, ou pour qu'on finisse bail louange, frère Jotam, ou pour qu'on finisse prêcher, frère Jotam, mission pour qu'on finisse. Et c'est ça que fait m'dou. Moun ki rete nan plan bon Dieu, pap jam échoué. Parce que Seigneur a un plan sous la vie. Nous gagnons un monde sous l'ing nan abdi allo qui pourrait faire deuxième monde n'abdi allo qui côté ou attendez nous qui j'ont relé. Allo bonsoir non femme c'est sœur Francia Maréis m'relé pour témoigner et me saluer nous toute la grande famille MODH et spécialement frère Kassimi et famille en femme et moi en pile en pile en pile en pile. Gloire à Dieu. Et je dis on dit mon Dieu merci. N'attendez témoignage ou à Sœur Marius. Gloire à Dieu. Mes amis, bon Dieu fidèle. Alléluia. Même j'en chante en dit. Alléluia. Alléluia. Ou bon ou moi. Alléluia. Moi conscient, Seigneur, moi reconnaître. J'en bon pour moi. Alléluia. Oui, mon connaisseur,
ou bon pour moi. Famille, moi, je dis bon Dieu, merci. Que non, bien exalté pour tout temps et pour toute l'éternité. Famille, moi, bon Dieu, bon grand miracle pour moi. Bon, et pas un seul, non, bon Dieu, fait deux gros miracles pour moi. Voilà, alléluia. Et moi, octobre, là, ennemi, te met ton défi sous route, moi, sous route, moi. Nous te font révélation. Révélation, ça, pendant me coucher, moi, me dormir, moi, dans l'église adventiste. Côté gon réunion qu'a fait, pendant réunion a fait, moi, levé à Timoun, moi, yo, me sorti dehors l'église, là. Pendant me sorti dehors à famille, yo. Moi, ouais, gon dame qui vini tout de blanc. Li di ekri nan fami ou lan bib sa. Bib sa mba ou pou ekri nan fami ou. Padam fin ekri nan fami m lan bib lan. Gon lan dam noa ki pare tout de noa. Li di mbo defi pou mete piyo koto pal mete piyo lan. E fami m yo pandan mwa sa. Enemi a te persekite man pil. Depi konya la enemi a vini pou persekite m. Me aswe am karele a Dieu swa la gloa. Beni swa l'Eternel. Paske semen sa padan mal lan dokte avek pitit mwen. Jean dokte a te panse bagay lan yen se pa kon sa. Aleluya gloa. Mwen di bon Dieu merci pou gwo mirak sa l fè pou pitit fim Malory Mareis. Aleluya. Se l'Eternel seul ki amen, est Dieu. Amen. E mwen di bon Dieu merci pou gwo mirak sa li fè pou nou jodi an la. Jodi an kote l fon gwo mirak. Mwen pa bezwen ban pil detay. Mwen di bon Dieu merci. Ke non l beni exalte pou tout et pou tout l'éternité. Bon sabbat fami myo. Bon sabbat Sœur Marius, on a pris un dernier moun. Oui, on a pris un dernier moun. Si gagnez, oui, faut que nous prenions un dernier moun. C'est pas si gagnez, nous, faut que nous joignions un dernier moun. Nous disons trois moun. On a pris, c'était premier moun. Oui, nous prenons un dernier moun. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bon sabbat dans le Seigneur. Qui côté Wapta de nous, à qui j'en relie? Bon sabbat, frère, je t'aime. Wapta de nous depuis Chili, moi, Sœur Léonie Siméon le Nord. D'accord, nous saluons moun Chili qui branche nous là et nous souhaitons bon sabbat à tout moun Chili qui branche nous dans moment ça. N'attendez témoignage joie. OK, moi dis bon Dieu grand merci parce que et année ça et bien côté moi j'ai deux petits moun qui l'école en Jean loin. Mais moi même dis fait que mal l'école m'pa gagne même horaire avec yo. Yo te toka pou yo vini pou koyo, mwen toujou al mete yo nan bus. Men a chak maten toujou ap priye bon Dieu. Mwen di bon Dieu ta pri poteje ti moun yo mwen. Paske lem fin mete yo nan bus, ale yo desan bus ta yo gen la rue pou yo traverse, yo konen la rue peye kranche pa mwen jari ti machin ap pase foum foum. E pi m toujou ap di bon Dieu ta pri kache ti moun yo ba mato de gras ou kouvri yo pou mwen. Efektiveman, bon Dieu te permette yo fè tout ane l'ekol la jiska se yo pren vakans. E men bon Dieu pat kit aucun aksidan rive yo. Et moi j'ai une petite fille qui est Sarah, li gè 13 ans et ben bon Dieu fait li gradye. Année ça qu'on y a li pour aller prendre études médias li. Moi dis bon Dieu merci parce que non seulement bon Dieu t'a bali intelligent pour te apprendre et ben me dis bon Dieu merci pour ça parce que bon Dieu t'écouter prière li pas quitter aucun mal arrivé yo. Bon Dieu te prend soin yo pour moi. Moi dis que non bon Dieu soit loué, que non bon Dieu soit exalté d'éternité en éternité. Amen. Amen. Ce pas moi, moi t'es content et gagnant sur non, même j'aime t'es content l'autre monde qui t'est relé yo. Peut-être ou ka dit tout louange là tout coûte après-midi mais c'est qu'on on pas qu'on nous planifier yon louange manche longue pour demain après-midi et ben ça frère Bertrand. On louange manche longue ça ou perdu là demain si Dieu veut ou va joindre avec équipe louange ou va joindre frère Bertrand, ou va joindre frère Jotam, ou va joindre quelqu'un chanteur et ben youn di l'autre demain si Dieu veut on bouillon louange pour nous capable clôturer semaine de prière ça. Déjà nous dis encore une fois bon sabbat. Nous te content ensemble avec vous et ben nous pour aller oui. Nous pas aller non mais faut que nous aller. Et ben que be fem palage. Bon sabbat dans le Seigneur. Mesdames et messieurs, membres de la grande famille MEODH, amis téléspectateurs et MEODH, nous content après-midi pour nous capables ensemble et dans quatre grandes semaines de prière ça que nous gagnons et que plateforme nous organisée. Je pense que c'est une occasion très spéciale, une occasion en or que
le Seigneur lui accorde nous pour que dans la fin d'année ça nous renouveler engagement nous avec le Seigneur, nous rafraîchir nous dans 4 semaines de prière ça que nous gagnons sous MEODH. Et après-midi à soya c'est un moment très spécial côté nous pour aller prier pour des personnes qui très très engagées dans la prédication de l'évangile. Nous connaissons que pendant toute semaine de prière là nous-mêmes nous t'avons béni dans nous et nous t'ai gagné plusieurs catégories de personnes que nous t'avons prié pour eux. Et dans 4 semaines de prière là à soya on va prier pour les lecteurs bibliques. Les lecteurs bibliques, mesdames, messieurs, c'est une catégorie de personnes qui laissent dans la prédication de l'évangile, qui évangélisent à travers les rues, qui font évangélisation publique, évangélisation personnelle, un peu partout à travers le pays, en Haïti comme à l'étranger. Et cette catégorie de personnes, ils ont besoin de la prière, ils ont besoin que le Seigneur ait ajouté cet esprit dans le travail qu'il a fait. Et que pendant cette période, à soya même, d'avoir demandé bon Dieu pour visiter et les lecteurs bibliques, les laïcs qui sont engagés à l'œuvre-là, qui prêchent la bonne nouvelle. Oui, mesdames, messieurs, comme nous te connaissons déjà, le Seigneur a fait l'homme sans l'homme, mais le Seigneur ne peut pas sauver l'homme sans l'homme. C'est pour cette raison que nous autres, nous devons embarquer dans la commission, ça. Nous devons embarquer dans le travail, ça. Pour que nous allions chercher des hommes perdus dans les ténèbres du dehors pour le Seigneur, parce que le Seigneur très bientôt l'a demandé nous. Les laïcs, ils ont engagé, les lecteurs bibliques en Haïti comme à l'étranger, ils ont engagé pour chercher des âmes pour le Seigneur. Et pendant cette semaine de prière, nous pourrons demander bon Dieu, pour bon Dieu ajouter les forces qu'ils ont besoin, pour bon Dieu capable de faire toutes les ailes nécessaires qu'ils ont gagnées pour faire travailler ça. Et que dernier amenant capable d'entrer au bercail. Tandis que la côté où il est dans le salon, la caillou, côté où il est dans la machine, la côté où il est, n'a pas demandé pour prier pour ces personnes. Non seulement pour être rempli du Saint-Esprit pour faire travail là, mais pour le Seigneur, les moyens qu'il faut pour l'accomplissement de l'œuvre. Parce que bon Dieu, il mettait tous les moyens nécessaires. Ouais, les âmes spirituelles, le Seigneur mettait pour nous, mais le Seigneur mettait également, et le Saint-Esprit, maintenant tout élément ça, nous prenons de bon Dieu, pour bon Dieu armer les laïcs, pour être capable de travailler, dans le travail ça. Nous prenons de bon Dieu, pour que bon Dieu bah, créer les moyens également, parce qu'il a fait face avec de grands besoins. Nous prenons le Seigneur en ce moment de prière, pour que bon Dieu capable de visiter eux. Et voyez corbeau matériel, corbeau spirituel pour les laïcs, pour les lecteurs bibliques, et que Seigneur, dans ce moment ça, il va bien armé pour la prédication de l'Évangile. Tandis que nous invitons nous, mesdames, messieurs, amis internautes, fans inconditionnels de MEODH, à nous prier pour ces laïcs, à nous prendre position pour nous demander bon Dieu pour visiter nos chers laïcs. Nos vaillants laïcs, nos valeureux laïcs qui dans les rues, qui dans les campagnes d'évangélisation, qui livrent aux vies et âmes pour la prédication de l'Évangile. Tandis que m'invitez-nous à couper front nous et la côté où il est selon position, comment capable, sont capables mettez à genoux, sont capables et si ces machines vont conduire dans quel ou à nous prier pour le Seigneur, à nous prier pour ces laïcs. Notre bon Père des cieux, en ce moment, nous sommes à tes pieds bénis. Merci pour cette année 2023, une année qui était difficile et troublée dans la vie. Nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, où tu es bon pour nous pendant cette année. Tandis que dans le moment, ça, Seigneur, nous. Vini dans pio dans 4 semaines de prière ça semaine rafraîchissement spirituel côté Seigneur nous vini pour nous capable présenter devant une grande famille MEODH là qui dissimulée à travers la terre habitée mais tout Seigneur dans moment ça n'a pas de va visiter grande famille là on va bailler le Saint-Esprit on va bailler la puissance nécessaire
pour la prédication de l'évangile. On va visiter aussi bien parmi eux qui malade pendant semaine de prière ça, c'est pour eux dire oui, eu te fait de grandes expériences avec vous. Oui Seigneur, c'est pour kembe yo nan plan ou, c'est pour kembe yo nan projet que ou gagne pour yo pas écarté yo de plan ça que ou gagne ou construit pour yo ou conçu pour yo et que Seigneur capable toujours être dans plan ou. Même Jean, les patriarches, les grands hommes de la Bible, yo te rete nan plan yo, nan plan côté fait et yo pas sorti monde. Nous connaissons Seigneur pas gagne pièce petit tout qui rete nan plan, nan projet ça ou gagne pour nous. Qui sorti et c'est ça qui fait que Seigneur n'a pris mettre toute grande famille dans main. N'a mando c'est pour kembe yo dans projet ça, c'est pour kembe yo dans plan ou, et que quand tout va retourner très bientôt, grande famille MEODH là va rassembler ensemble pour nous acclamer comme sauveur Seigneur. Oui Seigneur, en ce moment, nous avons pensé très spécial pour les lecteurs bibliques, les laïcs, des personnes qui livrent vie et âme pour la prédication de l'évangile. Oui Seigneur, en cet instant, yo grandement besoin de toi, tandis que n'a fait face avec un monde qui difficile, yo monde qui troublé. La prédication de l'évangile li vinn présenter de grands défis et ça qui fait Seigneur n'a mando va amener yo avec la puissance de ton bon esprit qu'on ça capable aller avec force, avec vivacité, avec Saint-Esprit pour prêcher la bonne nouvelle. Et que dernier amenant capable entrer au bercail. Oui Seigneur, nos chers laïcs, les lecteurs bibliques, y a fait face, y connaît des besoins, y a fait face avec des situations difficiles, surtout sur le plan matériel, économique. Et ça qui fait que Seigneur n'a pas mando en cet instant où va ouvrir les églises des cieux pour capable voyer les moyens nécessaires pour que nos chers laïcs, pour que les lecteurs bibliques qui est papillé qui à travers pays ici en Haïti qu'à l'étranger la côté au Seigneur, c'est pour voyer les voies et moyens pour que Seigneur capable accomplir travail ça. Alors que dans moment ça Seigneur n'a pas nous va visiter yo, si yo gagne parmi yo qui malade, maladie spirituelle, maladie et matérielle, physique, c'est pour visiter yo en cet instant et que Seigneur capable sentir que au bon côté yo. Oui Seigneur, bénis tout programme semaine de prière là depuis la première jusqu'à la fin où tu es bon pour nous, tandis que Seigneur nous remet prédicateur dans moment ça on va visiter également notre cher Haïti qui traverse des moments difficiles. C'est on remet que en cet instant même Saint-Esprit capable planer sur tout pays là, sur nous chaque qui là, sur nous même qui prier là, permettre que Saint-Esprit capable bon pour nous. Alors que Seigneur, nous pourrons lever dans la position ça, nous va lever nous avec délivrance, nous va lever nous avec bénédiction, nous va bénir nos chers laïcs, nous va bénir les lecteurs bibliques, et que Seigneur, nous va sentir que nous visiter dans 4 semaines de prière. Parfait, au-delà des attentes, nous va donner péché, nous reste avec nous, nous réclamons toute grâce ça, dans le bon nom de Jésus, le vivant régnant au siècle de siècles. Amen. Mesdames, merci, nous sommes contents pour nous être avec nous dans 4 semaines de prière. Et ça, que nous avons prié à Soya pour les lecteurs bibliques, les laïcs qui livrent leur vie et âme dans la prédication de l'évangile. Et que au même tout, nous avons prié pour eux et que nous sommes toujours continuer à prier pour eux pour que Seigneur soit capable de gagner toute force nécessaire pour présenter la bonne nouvelle. Et que le Seigneur, très bientôt, il va venir chercher nous. On nous rete dans le plan Seigneur, on nous demande bon Dieu, on fait prier ça pendant cette fin d'année pour nous dire Seigneur, qu'il y a un plan, pour que nous rete dans le plan Seigneur. Et quand le Seigneur viendra très bientôt, nous va prier pour nous envoler avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, nous, après-midi, sentons-nous contents pour nous souhaiter nous toutes un joyeux sabbat dans le Seigneur. Nous sommes sûrs et certains, bon Dieu, déjà prend contrôle ce matin pour nous.
nous t'ai annoncé nous pendant semaine nous gagnons offrande de sacrifice nous pour ramasser et offrande ça il pour aller directement vers l'achèvement de la nouvelle construction du MEODH. Nous tout connaît déjà. MEODH c'est pas consalté il t'est commencé. T'est commencé petit au jour le jour ou a aidé MEODH grandi. Et ensemble avec dirigeant yo ou même internautes, téléspectateurs, auditeurs, nous t'est prendre décision pour nous capable bailler MEODH yon auditorium. Et nous commencer pour te aider nous commencer jodi an nous rivé non point nous pas ka avancer encore parce que pas gain assez moyen ça nous connaît c'est pas moyen yo qui pas là yo là yon seul bagaille nous connaît le fait que décision MEODH pour capable gain yon nouveau local pal qu'après le chemetresse. Donc moyen yo le fait que c'est nous qui pour aller chercher yo. Donc nous mando pour porter nous secours continuer porter nous secours disons mieux pour nous capable river fini à construction ça. Et nous ouais dans quel niveau nous river et où qu'on est dans quel niveau nous gain pour nous river pour nous fini. Et ben nous mando pour capable mettre main. Pas gain moyen. Bagay yo paraît difficile, yo paraît compliqué. Mais le fait que ou mettez main ou déjà dans pat la, ou pa ka fè bak. Même Jean bon Dieu acceptez vous et Jésus pour venir mourir pour nous sur la croix pour nous capable gagner la vie éternelle et Jésus et bon Dieu li déterminé faut nous sauver. Et c'est ça qui fait toujours prêt pour le capable pardonner nous, toujours là pour le capable voir cet esprit dans la vie nous et nous-mêmes qui ça nous fait pour bon Dieu comme sacrifice. Laissez-moi lire pour vous un texte dans Proverbe 3, verset 9. Ce texte stipule « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. » Proverbe chapitre 3, verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. » Quel que soit ça ou gagné, ou capable honorer l'Éternel avec elle, il suffit que vous baillez à tout cœur. Nous te disons ça, construction pas qu'à camper. Et je dis, il faut que nous ramassions, offrons ça. Nous te disons, nous marchons avec enveloppe, nous. Ça c'est enveloppe, pas maintenant, marcher ensemble avec lui. Si je dis, on pas de chance de marcher avec enveloppe, pas ou là, parce qu'on pas de connaît, eh bien, demain matin, si tu veux, pas de culte là. N'a bon rendez-vous pour capable marcher ensemble avec offrande là. Et demain après-midi, ou capable continuer verser, ou capable bailler jodi, ou bailler demain se ve, ou bailler après-demain pour nous capable river atteindre objectif ça. Qui ça n'ta gain pour n'ta bailler l'Éternel pour tout ça bon Dieu fait dans la vie nous. Est-ce qu'on ka imagine combien temps bon Dieu fait la prend soin ou pas capable. Est-ce qu'on a un mot pour dire bon Dieu merci pour ça? Bon, c'est une enveloppe pour témoigner ou reconnaissance envers bon Dieu. Même gens nous tous, nous habitués faire déjà, nous habitués dire déjà. Construction MEODH là, c'est construction l'Éternel lié. Et puisque c'est l'affaire du MEODH, c'est notre affaire. Parce que MEODH pas pour moi, pas pour pasteur Gary, pas pour ingénieur Daniel, pas pour quel que soit monde. MEODH c'est l'œuvre de Dieu, son ministère qu'il a cap travail dans vigne mettre là. Qui ça nous t'a offert par Jéhovah pour tout bien faire lié dans la vie nous. Repasser la vie, faire une récapitulation de la vie et pour capable dicter tout. Ha. Est-ce que vous avez gagné, même si vous avez tout ça au possédé? Est-ce que ça t'a signé pour tout bien faire dans la vie? Qui ça t'a offert, Jéhovah? Qui ça t'a offert?
Gardez amis, chantez ça, bye amis. Attendez, ingénieur, ça nous est capable. Affichez-moi, parce que paille mon nom, non, non. Voilà, voilà mes chers amis, voilà chers internautes, voilà téléspectateurs, auditeurs, Capabzel MEODH, dans 302-310-1206, Capab Kachap MEODH, dans 302-310-1206, ou capable de relayer Pasteur Garida et tout, dans 631-949-6964, ou capable de visiter MEODH, ou capable d'aider offrande de gratitude, offrande de sacrifice, offrande de reconnaissance, par PayPal, MEODH USA, à commercial gmail.com, ou capable de B-Box, MEODH, de Jeff Wood, DI 919936. Ou capable d'utiliser moyen ça yo pour tout bien faire yo dans la vie. Qui ça t'a offert ba Jéhovah? Une enveloppe 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars. Les insignifiants pour tout ça bon Dieu fait dans la vie. Tout bien faire yo. Oh, Cajus Marielle qui nous pas gè mot, Astrid pas gè mot, Marie Isabelle Jeanne ou pas gè mot, Guilhem Siméon, Nancy Césaire, merci les joies, Venise Francila, Estanis Patrick, Jacqueline, non, ou pas gè mot, nous pas gè mot, non, Rosmita Jeudi, ou pas gè mot, pour tout ça vous Dieu fait dans la vie, pour tout ça vous Dieu fait dans la vie, nous amis éternels, Elvire Célie, Esther Bergman Romulus, nous pas gè mot, nous pas gè mot, non, construction va camper, nous pas gè mot, pour nous dire, tout ça vous Dieu fait dans la vie, nous, regardez, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 15 dollars, témoigner, rendez-nous, mon Dieu dans la vie, nous, qui ça t'a offert. T'as offri, pas Jéhovah, pas Jéhovah. Non, nous va gagner un travail. Même si t'as votre machine, même si t'as votre belle caille, même si t'as votre business, nous, l'ipapka signifie, l'ipapka égalé. Rendez mon Dieu dans la vie, nous. Non, mes chers amis, tout ce qui est sous la terre, il va passer. Et seulement la parole de Dieu qui a prêté. Bye, pour permettre à ce que la parole de Dieu capable de grandir dans le monde. Parce qu'elle n'est pas Jéhovah. Non, non. Non, 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 Damis, ou pas que mon Christelle Paquet, relé pasteur Gary d'Haïti, n'a pas de réalisateur, afficher encore les moyens que nous capables d'utiliser pour nous capables de relé pasteur Gary, pour nous encourager, continuer à encourager, construction ça pour capable faire, regardez, MEODH, pas la fière de Bertrand Sinéus, non, c'est pas la fière de Bertrand Sinéus, voilà, merci ingénieur, ou capable Zel MEODH dans 302-310-1206 ou capable Kachap MEODH tout sous même numéro ça 302-310-1206 nous capable PayPal MEODH MEODH USA MEODH à commercial gmail.com nous capable relayer pasteur Gary tout nous capable relayer pasteur Gary d'Haïti dans numéro ça 631-949-6964, nous capables, MEODH INC, nous capables, P-Box MEODH, dans 240 Chess World, 10-1-9-9-3-6, parce que pas de mots, nous pas de mots, non, 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 Manès, ou pas de mots, Wisland Joseph, pas de mots, Judith Néosé, pas de mots, oh, non, nous pas de mots, non. Christina Pagimo, Christina Chalvagimo, l'autre est photo sorti ou Pagimo, gardez son mille, est-ce que 10 dollars capable, 10 dollars capable de témoigner, ça vous j'ai fait dans la vie, est-ce que 20 dollars capable de témoigner, ça vous j'ai fait dans la vie, non, 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 tout est passager sur cette terre, seulement la parole de Dieu reste et demeure, non, nous Pagimo, non,
nous pas gémo Marie Osmen réa ou pas gémo Brésilia Prévalus résol ou pas gémo résoulève ou pas gémo Mirlette Noël ou à Alcius nous pas gémo pour nous dire bon Dieu merci Julie Isma Antoine Rosy amendez-nous de monsieur merci à nous tous qui sont capables de contribuer répondre positif qui contribuer pour nous capables et des MUDH construction pour local ça nous capable de achever nous commencer travail bon Dieu avant nous commencer nous camper ou même vous commencez déjà ou bien prendre engagement déjà ou t'es prendre engagement déjà ou pas faire back bon Dieu pas contre faire back bon Dieu pas contre faire back ou pas faire back dans travail bon Dieu bon Dieu pas contre faire back ni qu'on décide de fouer mais dans le fait pour capable prendre pour songer histoire toi jeune hébreu songer ça non bon Dieu pas peine nous faire n'importe sacrifice pour nous ou même tout regardez me rappeler un témoignage une sœur qui dit li gen ou l'argent pour aller à l'hôpital li gen corps pour aller à l'hôpital seul corps là il gen pour aller à l'hôpital parce que li a souffri pas capable et puis il décide pour le capable bail corps là pour construction de l'église et puis c'est à dire li levé li prend corps là pour aller Marie dit hey sogi est-ce qu'on perd du tête ou est-ce qu'on perd du tête ou après pour aller bail corps là celle comme sogi pour capable aller l'hôpital après pour aller bail corps là il dit qu'il t'aime faire expérience avec papa non parce qu'il grand monde il agit n'importe gens capable fleur pour petit né et là le bail corps là pour construction temple c'est aller c'est aller dormir avant de dormir il met à genou il dit mon Dieu même bail dans moi bail nan moi m'bay la vie moi parce que m'ka mourir parce que m'a souffri mais m'bay la vie moi pour comment on va camper pour moi même et m'a mande pour camper pour moi et dame nan bay comme là li dormi li levé li font premier jour li font deuxième jour moi a monté côté douleur la chercher douleur parole regardez année a fini année a parlé année a passé d'abstil toujours été vivant parce que l'on choisit bail pour bon Dieu lui-même décide lui-même toujours baou l'on choisit bail pour bon Dieu toujours décide baou on va te chance aujourd'hui en pour capable bail enveloppe là je vais se faire pendant culte là n'a ramasser offrande ça yo et comme ça bon Dieu capable continuer bénir et MUDH ava il veut réaliser pour bouger ça. C'est un, il y a une gloire pour bon Dieu. Deux, il y a une gloire pour vous tous. Parce que vous participez et vous aidez à MUDH arriver à la nouvelle construction. Ça. Merci infiniment. Rendez-vous à casser pour demain serveur pour nous capables de ramasser offrande ça pour aider à MUDH. Que bon Dieu capable de continuer à enrichir nous. Que tout ça nous apprend tout le temps. Nous capables de faire une bénédiction là-dedans. Qui la sorte sur du Jésus. Amen. Tu n'es pas un Dieu qui pas un Dieu qui désire les choses de ce monde, tu es Dieu pour toute éternité. Tu n'es pas un Dieu qui est fait par des mains d'hommes. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des êtres de la terre. Tu n'es pas un Dieu qui désire les choses de ce monde, tu es Dieu. Jamais, tu es le
Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis du MEODH, bon sabbat dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous en ce moment. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de passer cette semaine en bien sous son égide protectrice. Nous avons été couverts sous l'égide protectrice de notre Dieu pendant cette semaine. Il a été avec nous. Il nous a parlé. Il nous a envoyé des messages vibrants. Et ce soir, encore une fois, en ce sabbat, nous sommes encore là, à ses pieds, pour écouter sa voix parler à nos cœurs. « Bye moun ki bok otou la lamen, dit-il, bon sabbat dans le Seigneur. Voyez live là, partagez-le. » À plusieurs autres mondes, à souhait, on a partagé avec sept mondes, sept groupes, puisque c'est le sabbat. Nous avons atteint le chiffre de la perfection. On est invité à partager live ça avec sept mondes, avec sept groupes, parce que à souhait, encore une fois, le Seigneur a un message spécial, un message important à communiquer à son peuple.
Mais à soya, m'tareme surtout, nous partager, nous share live là avec des adventistes. Parce que message à soya, li concerne les adventistes du septième jour. Parce que à soya, bon Dieu dit, si ou nan plan bon Dieu, respectez sabbat. Si ou nan plan bon Dieu, respectez sabbat. Effectivement, moun ki nan plan bon Dieu, pas jamais échoué. Mais si vraiment ou nan plan bon Dieu, respectez sabbat. Mwen invite ou en ce moment à partager share live là avec sept moun, avec sept groupes, même t'as surtout demandé que nous partager avec des adventistes du septième jour. Et Jean Théouel hier soir, nous t'ai commencé à aborder le message des trois anges. Et à soya, encore une fois, nous pral retourner sur le message du premier ange qui trouvait dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Apôtre Jean, dans la vision que l'y gagnait, l'y présenter, l'y partager avec nous cette révélation dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, qui constituait le message du premier ange. Côté que apôtre Jean dit, li wè yon ange kap volé nan mitan ciel là, au milieu du ciel, li genyen yon l'évangile éternel. Oui, apôtre Jean dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. L'ange volait au zénith du ciel et ange l'an genyen li pote yon l'évangile éternel, yon l'évangile pour tout temps, yon bonne nouvelle qui par jamais fini, c'est-à-dire l'évangile que ange l'empoté a, son l'évangile qui était là depuis la création et son bonne nouvelle cap là jusque dans l'éternité. Et ange l'an li crier d'une voix forte, li crier avec une voix forte, toujours dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Il criait d'une voix forte et il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Verset 7, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce qui est intéressant, c'est que le message apporté par le premier ange, c'est un message éternel. C'est un évangile éternel qui est adressé à toute nation, à tout peuple, à toute tribu, à toute langue. Oui, c'est un message qui est adressé à Haïtiens. C'est un message qui est adressé à Dominicains. C'est un message qui est adressé aux Américains. C'est un message qui est adressé aux Français. C'est un message qui est adressé aux Ukrainiens. C'est un message qui est adressé aux Russes. Quelle que soit nationalité, quelle que soit langue ou parler, quelle que soit ethnie, quelle que soit couleur, ange l'a dit, crainte bon Dieu et baili gloire, parce que leur jugement rivé, et il pral ajouter un bagaille qui est intéressant, il dit, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, le message du premier ange l'y renvoyait automatiquement vers la création. Le fait qu'elle dit pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, l'y rappelait que en six jours, bon Dieu créait le ciel et la terre. Il rappelait que au premier jour, bon Dieu créait
la lumière, l'y rappeler au deuxième jour, bon Dieu créé le ciel, l'y partager de l'eau qui en l'air avec de l'eau qui en bas. Message ça, l'y rappeler que le troisième jour, bon Dieu créé la végétation. Le message du premier ange, rappeler que le quatrième jour, bon Dieu créé le grand luminaire, l'y créé le petit luminaire et l'y créé les étoiles. Le message du premier ange, rappeler que le cinquième jour, bon Dieu créé les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Oui, le message du premier ange, rappeler que le sixième jour, bon Dieu créé les animaux de la terre, les grands et les petits animaux. Oui, le message du premier ange, rappeler que le sixième jour, bon Dieu créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et aussi le message du premier ange, rappeler que le septième jour, Dieu s'est reposé. Le message du premier ange, rappelez que le septième jour, Dieu s'est reposé. Parce que lorsque le mandé pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est un rappel que Dieu est le créateur et il s'est reposé le septième jour. Et c'est ça que Exode 20 verset 8 à 11, Pral dit, lorsque bon Dieu dit à son peuple, au quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En aller, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. En aller, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien-aimés frères et sœurs, le message du premier ange fait songer que en 6 jours, bon Dieu travaille et bon Dieu m'a dit pour être capable reposer le septième jour, car le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le septième jour n'est pas le jour d'un homme. Le septième jour n'est pas le jour d'une femme. Le septième jour n'est pas le jour d'une organisation. Non, 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 non. Le septième jour n'est pas le jour des adventistes du septième jour. Même s'ils portent le nom de adventistes du septième jour, vous devez connaître que le septième jour n'appartient pas aux adventistes du septième jour. Mais le septième jour appartient à l'Éternel, ton Dieu. Si bon Dieu, c'est bon Dieu, ou doit connaître que le septième jour, li pas jouyon l'église, li pas jouyon organisation, li pas jouyon système, mais c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et en ce jour qui appartient à l'Éternel, l'Éternel fait appel à ses enfants pour le rejoindre en vue de se reposer avec lui. Quel honneur, quelle grâce pour que le Seigneur nous appelle à nous reposer avec lui en son séjour. Quelle grâce que le Seigneur nous a faite pour que lui fait appel à moi-même, pauvre pécheur, rebelle, et lui inviter à entrer en ce jour pour qu'on soit capable de reposer avec elle et adorer en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi Jésus va le rappeler dans Marc 2, verset 27-28. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour le bonheur de l'homme. Bon Dieu placé le sabbat dans le
temps. Bon Dieu, placer le sabbat dans l'espace pour que le sabbat capable faire le bonheur de l'homme. Après une semaine de dur labeur, après une semaine de travail, le Seigneur l'y placer le septième jour comme une oasis pour son peuple. Bon Dieu, invitez-moi à rejoindre dans ce repos. Bon Dieu, invitez-moi à rejoindre l'île en repos ça pour qu'il soit capable de reposer physiquement et spirituellement. Et c'est ça, Exode 20, verset 8 à 11, présenté. Bon Dieu, invitez-nous pour nous rejoindre l'île dans son séjour, pour nous capable de reposer de tout travail. C'est la cessation de travail, qu'il soit travail physique, nous devons camper travail. Qu'il soit travail intellectuel, nous devons camper travail. Et l'on regarde dans Exode 20, versets 8 à 11, les entités concernées, ce sont la famille. Il dit, ni ou même maman, ni ou même papa, ni ton fils, ni ta fille, nous toutes, faut que nous reposer. Et lui ajouter les auxiliaires, lui dit, ni ton serviteur, ni ta servante. C'est-à-dire, en tant que chrétien, en tant que monde qui n'a plein bon Dieu, depuis septième jour arrivé, au coucher du soleil, ce qu'on appelle vendredi soir, mais déjà au coucher du soleil, nous entamons déjà le sabbat. Faut que Timounio suspende travail, faut que papa suspende travail, faut que maman suspende travail, faut que moun kap travail la kay la suspende travail, faut que servante la suspende travail, faut que serviteur suspende travail. Il y ajoutait aussi les étrangers qui est dans tes portes, cousin qui a passé la caillou, faut qu'il repose tout, cousine qui a passé la caillou, faut qu'il repose tout, frère sœur qui a passé la caillou, faut qu'il repose tout, parce que c'est le jour saint, c'est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Et une fois que ou même ou entrer dans repos ça, ou à joindre le Seigneur, faut que tout le monde qui n'en caille là accompagner ou dans mouvement ça, li ajouté yon l'autre entité, li parler du bétail, parce que à l'époque c'était bétio qui était assuré transport, c'était chevalio bourriquio qui était qu'on assurait transport. Et c'est pourquoi il dit, ni ton bétail, ni ton bétail, faut que bête la reposer pendant le septième jour. Mais jodi a bon Dieu t'a dit, ni moto que ou gagné, ni machine que ou gagné, ni business que ou gagnez, lorsque ça va arriver, lorsque repos arrive, faut que toute bagaille ça au suspend travail. Ou pas qu'à un sabbat comme chrétien, et puis où l'église doit adorer, machinou a fait trafic, moto a fait trafic, ou pas qu'à chrétien, ou a reposé dans sabbat, où l'église doit adorer, ou online, ou a adoré le Seigneur, et puis business ou a marché. Non, ça ne se fait pas. Et bon Dieu invite depuis le temps jadis, pour que nous capables considérer le vendredi, le sixième jour, comme le jour de préparation du sabbat. C'est ça, nous remarquer dans Luc 23. Luc 23, verset 54, 56. Lorsque Jésus exposé à la croix, Jésus mourit et monsieur Damio décidé pour qu'il soit capable demander autorisation, mettez Jésus à terre et déposer le dans tombeau et au dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Tout le monde connaît ces leçons ça. Jésus mourit dans vendredi et yo enterré dans vendredi, il passait toute la journée du sabbat dans la tombe et il pral ressusciter le premier jour. Donc là, il est question du vendredi, il est question du sixième jour qui est le jour de la préparation du sabbat.
C'est-à-dire, depuis le temps jadis, le sixième jour, à savoir le vendredi, c'est le jour de la préparation du sabbat. Tout chrétien, t'as dû connaître ça. Tout adventiste, t'as dû connaître ça. Tout baptiste, t'as dû connaître ça. Tout témoin Jéhovah, t'as dû connaître ça. Le vendredi, le sixième jour, est le jour de la préparation du sabbat. Parce que si vous c'est monde qui n'en plein bon Dieu, faut qu'on respecte sabbat. Sabbat, c'est jour que bon Dieu baille pour nous capable reposer. Samedi, c'est jour bon Dieu baille pour nous suspendre travail. Car le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et nous bralouer dans Exode chapitre 16, 22 à 30, qui événement qui produit lorsque peuple a été trouvé dans le désert là. Exode 16, verset 22 à 30, lorsque peuple a dans le désert là, chaque jour, bon Dieu, la guéman pour que vous capable de manger. Et maintenant, il y a quelques fois, mon yo quitté pour le lendemain, li gâté. Et puis, le sixième jour arrivé qui c'est vendredi, li dit, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. En aller, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Et il précisait, c'est le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. La question de préparation du sabbat n'est pas seulement datée dans le Nouveau Testament, mais elle est datée à partir de l'Ancien Testament. Bon Dieu dit au sixième jour, Moïse m'a plagué en quantité double de manne et Mounio va manger en quantité pour vendredi an, et a quitté en l'autre portion pour le lendemain qui sera le sabbat, jour consacré à l'Éternel. Il dit, puisque demain, ce sera le sabbat, le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Qui ça, bon Dieu, dit pour nous faire? Qui ça, bon Dieu, dit pour nous faire? Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Mes amis, vendredi, c'est jour préparation, sabbat. Manger, on doit manger dans sabbat. C'est pas manger qui fête dans sabbat même. Mais bon Dieu dit, manger ça, faut le quitter depuis dans vendredi. Oui, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Est-ce que chrétiens adventistes songe bagay ça? Est-ce que chrétiens adventistes jodia respecte sabbat? Est-ce que chrétiens adventistes continuer préparer sabbat? Mes amis, c'est triste pour ne capable observer dans quelques endroits adventistes yo rend sabbat tourné dimanche, même Jean mon dimanche yo y a l'église et puis poire a bouilli jodia adventiste fait le tout pour sabbat. Il y a l'église, il y a chanté alléluia, louange à Dieu, et puis gon poids qui a bouilli la caille là, gon manger qui a fait la caille là, gon servante qui est la caille là qui a fait manger, parce que yo dit yo pas qu'à manger fret, yo obligé faire manger à dans sabbat. Mais qui ça bon Dieu dit dans Exode 16 verset 22 30, faites cuire ce que vous avez à faire cuire depuis le vendredi et mettez en réserve jusqu'au matin. C'est pas moi qui dis, si vous c'est monde qui n'en plein bon Dieu, faut qu'on respecte parole bon Dieu. Si vous c'est monde qui n'en plein bon Dieu, faut respecter le sabbat. Ça le dit, c'est oui et amen. Ça bon Dieu dit ou c'est oui et amen. Oui, si on en plein bon Dieu, faut qu'on respecte sabbat, faut qu'on prépare sabbat. Jean, bon Dieu, mandez là. C'est triste. Dans quelques zones que me passer adventiste là, la l'église et puis li quitter l'argent nan men yon moun, li quitter l'argent nan men yon païen, li dit mais al fait marcher pour moi. L'aime saute l'église, m'a prend provision hein.
là l'église mais il quitter l'argent dans main au monde et monde ça pral dans marché pour que monde ça fait provision pour lui. Est-ce que ça c'est respect au sabbat? Non. Et nous pral voir plus loin dans Néhémie chapitre 10 verset 30 et 31, il y a un reproche que Néhémie t'est adressé au peuple de cette époque côté que mounio t'est prend plaisir transgresser le sabbat et Néhémie fait mounio prend un engagement mais qui engagement li fait au prend nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. En aller, de ne rien acheter. On lit ça ensemble. On lit ça ensemble. De ne rien acheter le jour du sabbat et le jour de fête des peuple du pays qui apporterait à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Peuple a pris engagement, li dit Néhémie, nous pas acheter dans sabbat encore, nous pas vendre dans sabbat encore. Chrétien adventiste, nous à la fin des temps, jodia, li important pour nous sanctifier le sabbat, l'important pour respecter le sabbat, parce que bientôt, très bientôt, nous serons persécutés pour le sabbat. Nous pas capables de persécuter pour un bagaille que ne pas respecter. Peuple a pris engagement pour le capable respecter le sabbat, pour le suspendre acheter dans le sabbat, pour le suspendre vendre dans le sabbat, transaction pas doit faire dans le sabbat, ou pas qu'à l'église et puis business ou à fonctionner dans le sabbat, ou pas qu'à louer mon Dieu et pour gain monde qui travaille pour vous dans le sabbat. Seul ça mon Dieu mandé, Jésus t'a montré dans Luc 4 16, Matthieu 12 10, seulement il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Quand il s'agit de sauver une vie, on peut le faire. Quand il s'agit d'aider quelqu'un, on peut le faire. Mais on ne doit pas se livrer à certaines transactions commerciales mercantiles le jour du sabbat. Peuple a pris engagement pour que le capable respecter sabbat. Et on dit, nous pas acheter dans sabbat encore. Nous pas vendre dans sabbat encore. Et lorsque monsieur t'a essayé, tenter Jésus, Jésus bail exemple là. Ça te compte fait seulement les samedis, seulement à l'église, là, adorer le Seigneur. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Mais exemple Jésus bail nous le sabbat, nous pas gain droit pour nous livrer à commerce, nous pas gain droit à vendre, nous pas gain droit à l'acheter, nous pas gain droit faire ça nous voulez. Mes amis, c'est triste, oui, moi campé dans l'église, moi ouais en plein sabbat, des monde qui a déplacé à l'acheter. Moi songe ça tant qu'aujourd'hui a mon yo sorti, il a acheté bagaille pour yo boire, il a acheté tampico, gen ti moun ka l'acheté bonbon. Mes amis, respectez sabbat. Parce que en hébreu, Shabbat signifie le signe du Père éternel. C'est pas pour sans raison, nous disons que le sabbat est le sceau de Dieu. Parce que de l'hébreu, Shabbat signifie le signe du Père éternel. Bon Dieu m'a dit, même Jean, le sabbat en lui-même est saint. Le sabbat est consacré et réservé, mis à part. Nous-mêmes tout, nous devons sanctifier le sabbat. Parce que mon Dieu m'a dit bon faire. Et dans Exode 35, versets 2 et 3, il y a un bagage qui dit qui est important, bien aimé. Parce que c'est le temps de la réforme. Signal la lancé déjà. Pas un temps qui était encore. C'est le temps pour nous capables de réformer, voir nous, dans le sabbat. C'est pas seulement à l'église. Nous cas à l'église, mais nous pas reposer le sabbat. Nous cas à l'église, mais nous pas respecter le sabbat. Mais qui ça le dit? Mais qui ça le dit dans Exode 35, versets 2 et 3? Il dit, on travaillera 6 jours. Mais le 7e jour sera consacré pour vous
une sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage en ce jour-là sera puni de mort. En allez, on n'allumera point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Mon contexte ça a problème. Il y a un monde qui dit mais comment faire pour pas allumer du feu pendant le sabbat parce que mon petit problème dans estomac, mon pas qu'à manger frette, même pas qu'on est zamim, mon pas qu'on est mon frère, mon pas qu'on est ma sœur. Bon Dieu dit ou pendant le sabbat, ou pas gain droit allumer du feu parce que du feu a dû allumer depuis non vendredi. Manger qui doit manger dans le sabbat, faut le préparer depuis dans vendredi. Dans vendredi, il y a moyen pour capable conserver. Moi, il y a monde qui fait, yo conserver manger et yo quitter chaud jusqu'au sabbat. Est-ce que vous pas qu'à faire? Mais pendant dim, ou pas qu'à manger frette, mais ou boire de l'eau glacée. Ou dit ou pas qu'à manger frette, mais ou boire boisson glacée. Ou pas qu'à manger frette, mais gen bagay ou à boire, faut le glacer. Mais comment faire boisson glacée ou boire? Li pas faire au malade, et puis c'est manger frette. Samedi à cap faire au malade. La semaine, ou manger frette, mais ou dit pour sabbat, faut lui mettre du feu. Non, zamim, mon frère, mon Dieu dit ou, bon Dieu dit, pas l'humain du feu dans le sabbat parce que le sabbat est saint. Bien aimés frères et sœurs, c'est ça bon Dieu m'a dit. Bagaille là qui difficile, mais nous devons apprendre à respecter bon Dieu. Nous devons apprendre à respecter le sabbat parce que le sabbat c'est le reflet du caractère de Dieu. Et j'en t'ai dit hier, ce roi dit dans premiers écrits, li ou elle dit commandement, yo t'a brillé, gon lumière qui clairait, qui sortit dans chaque commandement yo, mais l'elle gardé, li ou quatrième commandement, il n'y a pas là, t'es plus brillant, t'es plus éclairé. Parce que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, qui t'aime dire où ça assoya. Bon Dieu m'a dit pour me dire où assoya. Gen malédiction pour moun qui observe sabbat mal. Gen malédiction pour moun qui pas respecter le sabbat. Gen malédiction pour moun qui pas observe sabbat. Jean bon Dieu m'a dit ah, tout comme gen bénédiction pour moun qui respecte sabbat. Mais qui malédiction qui réservé à moun qui seulement à l'église samedi, mais qui pas observer le sabbat. Néhémie 13, verset 15 à 18. Néhémie 13, verset 15 à 18. Nous bralouè qui sacrivé peuple là. Et Néhémie bral dit yo, raison, yon nan raison qui fait jodia, yo en esclavage, yon nan raison jodia qui fait yo en exil. Nan Néhémie 13, 15 à 18, c'est parce que yo pas observé le sabbat. Jean bon Dieu mandé ya. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. Néhémie dit moi, te gon époque geneg qui a fait juraison dans sabbat pour que ovan rentrer des gerbes, nèg y a travaillé la terre dans sabbat, y a ramassé gerbes chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues en sorte et toutes sortes de choses. C'est-à-dire nèg y a fait business dans sabbat. C'est ça partie ça dit. Néhémie dit, nèg ap fait business dans sabbat, nèg ap travail dans sabbat, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Jodi a en pile moun ap fèl, y ap fait commerce dans sabbat. Mais yo là, yo l'église là ap chanté, mais gen moun k'ap travail pour yo. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. En aller, il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendait au fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Puisque païen ouais, juif eux-mêmes, il a transgressé sabbat, eh bien eux-mêmes tout, ils entré dans pratique là. En aller. Il dit je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat. Néhémie gain courage pour dire monsieur, n'a transgressé sabbat, nous pas gain droit vendre dans sabbat, nous pas gain droit acheter dans sabbat, nous pas gain droit faire business dans sabbat. En aller. Il dit, n'est-ce pas
N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur vous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Néhémie dit, monsieur, n'a pas sac bagage sérieux. Néhémie dit, monsieur, n'a pas joué bagage sérieux. On nous prend malin plaisir comme dirigeant, comme pasteur, comme ancien, comme moniteur, comme chantre, n'a pas transgressé sabbat. Ça pour dire nous, c'est pas transgression sabbat qui mette une côté nia, qui fait malheur à une villa, qui fait jodi à nous en exil. Monsieur, si nan plan bon Dieu, respectez sabbat bon Dieu. Parce que bon Dieu prêt pour le punir. Pour le punir moun qui fait ça ouvler dans le sabbat. Parce que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Le sabbat, il représente le caractère de Dieu. C'est le signe du Père éternel. Même si, ouais, majorité moun pas respecté sabbat, mais lire était dans Dieu, bon Dieu, ça lié à. Et avant longtemps, tout moun qui doit sauver, avant longtemps, tout moun qui n'en plan, bon Dieu, faut qu'il respecte. Sabbat, automatiquement que la loi du dimanche l'y proclamer, l'y publier, qui est un pile fidèle qui dans l'autre religion, qui dans l'autre dénomination, qui pral engager et décider respecter le sabbat. Zamim, ces moments ou même adventiste qui compte vérité à, qui compte théorie à, pour être capable d'entrer dans la pratique. Et mais qui bénédiction, bon Dieu dit, li réservé à mon qui respecte sabbat. Ésaïe 58, verset 13 et 14. Ésaïe 58, verset 13 et 14. Même Jean, bon Dieu dit, li a puni moun kap transgressé sabbat, mais li dit la puni moun tout, kap la béni moun tout qui observait le sabbat, Jean le mandé a. Et qui t'aime dire? Dans Ésaïe 58, bon Dieu présentait condition du vrai jeûne. Et depuis dans tête verset a, li mandé Ésaïe pour le crier fort, pour dire moun yo pas rien problème que yo jeûner. Mais li baille plusieurs conditions. Et m'kwa li cité environ 7 conditions. Il dit si. Et dernière condition que le bail. Et m'a dit ça en même moi-même capitaine de jodi a. Ou pas gain problème pour jeûner. Bon Dieu mandé pour jeûner, mais il bail des conditions pour que jeûnouan li agréable à l'Éternel. Bon Dieu pas gain problème pour prier ou ka prier ou doit prier, mais bon Dieu bail condition pour que prière capable exaucer. Et dans dernière condition que li bayo, li dit si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours en aller, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. 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 Dernière condition, mon Dieu, mettez, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, samedi bien-aimé, sabbat bien-aimé, septième jour bien-aimé, c'est pas jour pour nous faire ça ne vle, c'est pas jour pour nous faire volonté, non, mais c'est jour pour nous faire la volonté de notre Dieu. Samedi, sabbat, septième jour, li pas jour pour nous faire ça ne vle, mais c'est jour pour nous faire ça, bon Dieu mandé. Bon Dieu dit suspend travail, ni ou même, ni mari ou, ni madame, ni petite fille, ni petite garçon, ni serviteur, ni moun kap passe la caillou. Bon Dieu mandé pour nous suspendre faire transaction le sabbat. Et li dit si nous fait sabbat, tourner un jour de délice, un jour
de joie. Il dit, la fin montée sur les hauteurs du pays. Mes derniers plans, bon Dieu, gain pour nous. Il n'y a pas seulement gain plan pour bailler nous guérison. Il n'y a pas seulement gain plan pour bailler nous belle caille. Li pas seulement gen plan bay nou visa, li pas seulement gen plan bay nou résidence, li pas seulement gen plan bay nou mariage, li pas seulement gen plan aller avec nous côté ne pas ta penser, mais li gen plan bay nou la vie éternelle. Bon Dieu gen plan pour li bay nou le ciel. Bon Dieu gen plan pour bay nou l'éternité. Mais l'observation du sabbat, c'est l'une des conditions. Oh, si vous voulez monter sur les hauteurs du pays, si vous voulez monter dans le ciel là, pour vivre 1000 ans et retourner sur la terre, pour vivre l'éternité, bon Dieu mandé, pour capable respecter, pour capable observer, pour capable sanctifier le sabbat. Et les bon Dieu fin dit ça, li sien en balle, li dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est pas n'importe monde qui dit ça. C'est pas n'importe monde qui dit ça. C'est bon Dieu qui dit là. Il dit n'importe monde qui kembe pied pour pas faire salver dans sabbat qui seulement fait volonté bon Dieu l'a fait monter sur les hauteurs du pays ou a sauvé ou a vivre l'héritage promis ou a entrer dans le plan éternel ou a bénéficier et bon Dieu signe. Il dit car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimés frères et sœurs, le sabbat ou plus précisément l'observation du sabbat n'est pas le fait d'aller à l'église. Un pile adventiste, malheureusement, confond observation du sabbat et aller à l'église. Ou qu'à à l'église sabbat, mais ou pas observer le sabbat. Ou qu'à à l'église sabbat, mais ou pas sanctifier le sabbat. C'était vraiment étonnant. On t'a vu ça. Yon ancien d'église. Vendredi soir, qui c'est début sabbat, radio Namel, l'aptant de match football. Samedi matin ou samedi après-midi, après l'église, gen gros match. Adventiste, Chita, devant télévision, ap gade match. M'pas là pour m'juger personne. Mais question m'ka posé, est-ce que regarder un match de football pendant le sabbat, est-ce que c'est fait volonté ou bien fait volonté, papa bon Dieu? Bon Dieu m'a demandé pour nous capables de respecter le sabbat et lui montrer qui ça nous a fait, qui ça nous doit faire. C'est faire le bien, visiter moun ki malade, visiter moun ki l'hôpital, visiter moun ki nan prison, al prier avec moun ki nan nécessité. Le sabbat a été donné pour qu'un capable rende-li saint, même Jean mon Dieu saint. Et le sabbat, l'iseyon appel à la sanctification. Le sabbat appelé pour me capable développer la sainteté et développer une communion intime avec le Seigneur. Le sabbat est le sceau de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons être persécutés. Donc déjà, le Seigneur m'a demandé pour me capable respecter sabbat. Le Seigneur m'a demandé à soi en même, frères et sœurs adventistes, pour capable respecter sabbat. Parce que, on en plein bon Dieu, et le sabbat fait partie aussi du plan de Dieu. Nous pas qu'à rendre sabbat un jour ordinaire, parce que nous trop petits pour nous t'a fait ça. Dès la création, bon Dieu bénit le septième jour et l'y sanctifie. L'y gen on bagay, l'y mette sous l'y que l'y pas mette sur les autres jours. L'y mette à part et l'y pas mette l'autre jour à part. Donc mon devoir est de faire ce que Dieu me demande de faire en ce jour. Mon devoir est de respecter le sabbat, d'observer le sabbat comme Dieu le demande.
Et c'est là ça m'a prêté dans plan bon Dieu ya. Bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu invite à soya pour me capable respecter le sabbat. Bon Dieu invite à soya pour capable respecter le sabbat. Respecter le sabbat parce que c'est le sceau de Dieu. Respecter le sabbat parce que c'est le signe du Père éternel. Respecter le sabbat parce que le sabbat a été dès la création et il sera même sur la nouvelle terre. Jean Esaïe présenté dans chapitre 66 là, il dit sabbat a existé sur la nouvelle terre à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat toute chair pral vini prosterner devant l'Éternel. Respectez le sabbat, bien-aimé. Respectez le sabbat. Respectez le sabbat. Parce que c'est le signe du Père éternel. Que Dieu vous bénisse. Zanmim, par contre, qui plon fait pour 2024? Mais MEODH a rappelé que moun ki rete nan plan bon Dieu pas jamais échoué. C'est sous thème ça que MEODH pral organiser yon gros semaine rafraîchissement spirituel sorti 17 pour arriver 23 décembre 2023 à partir 4h30 nan aswe. Ah oui, avec pasteur Fredson Luidor live sous toute plateforme MEODH. Fais plan pour là et puis gaye nouvelle là. Parce que sauter pompé, moun ki rete nan plan mon Dieu, pas jamais échoué. Mouvement évangélique des ouvriers de la dernière heure, MEODH. Mouvement ça prend naissance dans date 23 mars 2014. Dans l'année 2016, MEODH commence à marcher dans diverses églises pour faire reportage. Avec COVID-19, nous commençons à fonctionner chaque jour en 2020, mais MEODH pas de gain côté poule tablicole. Grâce à l'ingénieur Daniel Pierre et Madame Li Françoise Charles Pierre qui bail la caillou pour mouvement ça, t'es qu'à commencer chaque jour. Jour à venir, jour à parler, MEODH trouve dans obligation. Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous comptons pour nous avec vous après-midi. Côté que nous t'ai passé en semaine, nous t'ai demandé mon Dieu pardon, nous t'ai demandé le Saint-Esprit. Nous t'ai tendu prêche, nous t'ai rentré dans combat et victoire et en soyant sans cesser avant dernier jour combat et victoire. Ou même qui gagne en bagarre ou t'ai demandé bon Dieu, nous nous fait cœur content parce que bon Dieu prend le baoul. Autant voulu, autant marqué. Sans plus tarder, nous pourrons passer dans un moment rafraîchi. Nous avons commencé avec combat et victoire dans 346 à deux nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Oui, bon Dieu, relez-nous dans le combat. Nous présenter au Bali, nous sommes certains que il y a venu en aide avec nous. À deux nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et ensuite, nous avons chanté le numéro 347. Fais que content, frères et sœurs, parce que bon Dieu là, dans le moment où il y a, dans le moment de tresse, bon Dieu là, fais que content, parce que la vie en est. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles. Prête à suivre tes pas, conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme
de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrasse-nous, Seigneur. Tu es vaincu, barde. Le libre cri de peuple racheté.
Quel ami pour sur cette terre.
avec parole qui ont tombé. Merci qu'on vient au monde. S'il avant dernier jour ça, c'est jour de délivrance pour nous. Oui, la tempête, oui, bon Dieu là. Oui, il est toujours campé pour vous. S'il va te camper pour vous, va te plage, je vais jouer. S'il merci pour ses soeurs. Il m'a retrouvé. Et en dernier fois, quand toi m'appelles. Là côté où il y a, on ferme les yeux, on dit merci Seigneur. Et nous sommes certains que mon Dieu vient en aide, lui délivrer, lui casser le code là pour que le Seigneur vous bénisse. Zanmim, par contre, qui plan fait pour 2024? Mais MEODH a rappelé que monde qui était dans le plan mon Dieu pas jamais échoué. C'est sous thème ça que MEODH va organiser une grosse semaine rafraîchissement spirituel sorti 17 pour arriver 23 décembre 2023 à partir 4h30 dans la soirée. Ah oui, avec pasteur Fredson Luidor live sur toute plateforme MEODH. Fais plan pour là et puis gagne nouvelle là parce que sauter pompé moun qui était dans plan mon Dieu pas jamais échoué. Allez comme ça, dimanche plein officiel, comme jour repos pour remplacer sabbat. Faites la mauvaise, après un seul jour et pose sous la terre. Est-ce que vous entendez ça? T'as l'air comme ça, dimanche pour l'officiel. Comme jour et pour remplacer sabbat. Faites la mauvaise, après un seul jour et pose sous la terre. Ça va, c'est un saut pour identifier tout petit bon Dieu. Dimanche, c'est ma pouvoir, ma beauté. Bon Dieu, bonne la Bible, nous, pour louer ça, pour ça. L'Esprit Saint. Bon Dieu, remets-nous. Pas gagne tout dans ça. Livre les bounes la vie. Bonne, bonne prophétie, les dieux. Dans yo. Nous pas accepter Christ. Pour nous payer. Bonne joine, formation. Je dis à même, c'est les pour nous repentir. Demain, capable trop tard, lui annoncer tristesse. Cherchez puissance,
résister à la fin à partir. Parole, mon Dieu, c'est oui et puis amen. Ça nous éclaire dans tes mots. Pas jamais ma conscience, nous. Ça va sacrer. Pas jamais chercher intérêt au nom. Chercher puissance pour ne résister à la fin à partir. Faites la mauvaise, la paille au seul jour et pour sourire.